toi, Père, dans les cieux. Gloire à toi sur la terre. Gloire à toi dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Gloire à toi dans cette ville, dans chaque ville où tes enfants se sont retrouvés en ce premier jour de la semaine pour te donner la gloire. Tu en es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute la gloire, tout l'honneur et notre reconnaissance pour tes innombrables bienfaits, surtout pour la grâce d'être là, dans ta présence. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous sommes heureux, par ta grâce, de pouvoir commencer la semaine à tes pieds. Instruis-nous, nourris-nous, comme à chaque fois que nous venons dans ta présence. Parle à nos cœurs. Au nom glorieux et précieux de Jésus-Christ, le Seigneur et notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et partout sur la terre. Alléluia. Je suis heureux de pouvoir commencer une nouvelle série avec nous, intitulé « La foi en action ». Alléluia. C'est la saison de la foi en action. Dites avec moi, c'est la saison de la foi en action. C'est la saison de la foi en action. Nous avons déjà la foi et d'ailleurs, c'est la foi qui t'a emmené là où tu es et qui a produit en toi ce vouloir, ce bon vouloir d'adorer le Seigneur. Ce Dieu que nous avons adoré, depuis que le culte a commencé, nous ne l'avons pas adoré parce que nous le voyons. Nous l'avons adoré par la foi, n'est-ce pas? Et il est réel, il est réel, il est vivant. Il est invisible, mais il est réel. Alléluia. Nous avons déjà pratiqué, commencé à pratiquer la foi dans l'adoration. Et durant toute cette nouvelle saison, le Saint-Esprit va nous apprendre comment mettre la foi que nous avons déjà en action. Alléluia. Dans Jean chapitre 2, verset 5, qui est une déclaration fondamentale, Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira, n'est-ce pas? Faites ce qu'il vous dira. Faites. Faire. Dans Jacques chapitre 1, verset 22, l'apôtre Jacques, qui était le frère du Seigneur, nous conseille, il nous dit, il nous exhorte à mettre en pratique la parole de Dieu et à ne pas nous borner à l'écouter et en nous trompant par des faux raisonnements. Dans le chapitre 2, verset 18, il dit, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. » Donc la foi peut être infructueuse. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi doit être fructueuse. Alléluia. Donc voici les trois textes fondamentaux de notre nouvelle série. Alors pour y entrer, pour comprendre, aujourd'hui nous allons parler d'une question. Quelle est ton espérance? Dis à quelqu'un, quelle est ton espérance? Pose à une autre personne, quelle est ton espérance? Et pose-la à toi-même, quelle est mon espérance? J'aime beaucoup ce cantique qui dit que plus jamais je ne veux paraître devant toi sans passion. Alléluia. Plus jamais. Quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? Marie vient dire au Seigneur, comme nous l'avons vu le mercredi dernier, elle dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus semble ne pas être favorable. Il lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et Marie se retourne, elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Marie avait une espérance, n'est-ce pas? Elle avait une attente. Dans la prière et après qu'elle ait prié.
Dans la prière, c'est quand elle a parlé à Jésus. Et après qu'elle ait prié, elle a gardé cette espérance. Alléluia. Amen. Quelle est ton espérance? C'est très important. C'est très important. Vous savez, la vie par la foi est différente de la foi en action. La vie par la foi est la mise en pratique de la parole de Dieu en général. Comme nous l'avons vu, ces restrictions et ces instructions générales, c'est un style de vie comptant sur la fidélité de Dieu. La vie par la foi est une vie dans le repos, où on pratique la parole de Dieu en général. Alléluia, celle qu'il nous donne tous les jours, et nous comptons sur sa fidélité. Ça, c'est la vie par la foi. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. La vie par la foi est un style de vie comptant sur la fidélité de Dieu. Mais la foi en action est une autre chose. La foi en action est le fait de faire ce que Christ nous dit. Personnellement et de manière particulière, bien entendu, en harmonie avec l'ensemble des Écritures. La foi en action, c'est lorsque Christ nous parle directement et nous donne des restrictions et des instructions particulières. Ce sont des rendez-vous divins, des moments de grâce et de victoire, cette fois-ci comptant sur la force de Dieu. Alléluia. Papa nous a enseigné et nous a dit, la plus grande partie de la vie chrétienne se trouve dans la vie par la foi. Quoi qu'il arrive, Dieu est fidèle. Mais il y a des instants de miracle. Ce sont des instants. Alléluia. Quand le Seigneur nous dit, faites ceci, nous ne réfléchissons pas. Nous le proclamons et nous le faisons. Pourquoi? Parce que nous comptons sur sa force. L'apôtre Jacques dit, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous trompez pas. Ne vous bornez pas en vous trompant par des faux raisonnements. Si tu comptes sur toi-même, il y a des instructions que tu ne mettras pas en pratique. Mais si tu comptes sur la force de Dieu, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Sa puissance attend notre action. Alléluia. Nous devons vivre dans sa fidélité constamment. C'est la vie par la foi. Et être toujours alerte, prêt pour l'instant où il va nous dire, faites ceci, dites ceci. Et nous le disons en comptant sur sa force, qui est toute puissante, n'est-ce pas? Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la foi? Avant d'aller vite en besogne pour savoir comment mettre la foi en action, mais c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11:1 dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors écoute-moi bien parce que je sais et je sens que tu es familier avec ce verset. Fais attention à la familiarité. Il faut que ce verset te parle. Alléluia. Amen. La définition de la foi se trouve dans la parole de Dieu. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Darby dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Dans la version du Semeur, il est dit, la foi est une façon de posséder, j'aime ça, est une façon de posséder ce qu'on espère. Pas de posséder n'importe quoi, mais de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. On ne les voit pas, mais on en est sûr. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Français courant dit que mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. La parole vivante dit ceci,
Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alors, arrête-toi et réfléchis. Médite sur ces passages. Et vous vous rendez compte que si on enlève l'espérance, il n'y a plus de foi. N'est-ce pas? C'est ça. L'espérance est le socle invisible de la foi. C'est elle qui donne une attente objective. Alléluia. Une façon de posséder ce qu'on espère. On doit d'abord espérer quelque chose, n'est-ce pas? Et la foi nous permet de posséder ce qu'on espère. Si on n'espère rien, la foi n'a rien à posséder. Ne négligez pas l'espérance. Elle est puissante. Papa nous disait que nous passons la plus grande partie de notre vie dans l'espérance. Et il y a des moments de grâce où nous recevons une instruction et le miracle se produit. Mais nous retrouvons l'espérance après, vous allez voir. L'espérance est le socle invisible de la foi. C'est elle qui donne une attente objective. Il faut te dire, je m'attends à quoi en fait? Je m'attends même à quoi? Quelle est mon espérance? Si tu ne peux pas dessiner objectivement ton espérance, tu n'as pas de foi. La foi n'a rien à posséder. Vous m'entendez? Il ne suffit pas de dire, prions. Nous allons prier quoi? Nous allons demander quoi? Et nous nous attendons à quoi? Je ne parle pas du comment, je parle du quoi. Amen. Jésus, nous le verrons les mercredis seront un peu plus pratiques. Jésus disait, que veux-tu que je te fasse? Marie a été objective, ils n'ont plus de vin. Elle n'a pas dit, sauve la fête. Non, non, qu'est-ce qui manque exactement? Jésus n'avait jamais produit du vin, mais Marie a osé croire que Jésus pouvait résoudre ce problème précis de vin. Notre attente doit être objective. L'espérance n'est pas un mot subjectif. Quand ton attente est précise, objective, alors la foi peut te permettre de la posséder. Si tu n'as pas d'attente, ou bien si tu as une attente vague, alors la foi ne sait pas quoi posséder. Vous m'entendez? Par exemple, quelle est ton attente aujourd'hui? Tu es assis là, pourquoi? Si tu n'as pas de problème, tu n'as pas de besoin, tant mieux pour toi. Mais tu pourrais au moins avoir cette attente de réjouir le cœur du Père par ta louange et ton adoration. Et par ton oreille attentive. Ça aussi, c'est objectif. Nous ne chantons pas pour chanter, nous chantons pour faire plaisir à Dieu. Amen. Notre louange, notre adoration doivent être objectives. Amen. Amen. Alléluia. Savez-vous, parfois, nous chantons pour notre propre plaisir, pour nous sentir bien nous-mêmes. Ça aussi, c'est objectif. Mais ça, ce n'est pas la louange. La louange, c'est pour Dieu. C'est pour le plaisir de Dieu, pas pour le plaisir des hommes. L'espérance est très importante. L'espérance devient la foi lorsqu'on est fermement convaincu de l'objet de son attente. Lorsqu'on est convaincu que l'objet de son attente n'est pas trompeur. Qu'il se manifestera tôt ou tard par la grâce de Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il se manifestera tôt ou tard. Nous avons une attente précise. Et cet objet-là n'est pas trompeur. Amen. Il se manifestera tôt ou tard.
par la grâce de Christ et par la puissance de son esprit. Par la grâce parce qu'on ne la mérite pas. Par la puissance parce qu'on ne s'appuie pas sur notre capacité. Mais sur celui qui peut tout, le Saint-Esprit. Hébreux 6, 12 dit que c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont hérité des promesses. Quand ta foi n'est pas devenue une ferme assurance, tu n'iras pas jusqu'au bout. Il a dit à Habacuc, écris la prophétie, grave-la sur les tables, qu'on la lise couramment, car son temps est déjà fixé. Elle court vers son but, elle s'accomplira. Si elle tarde, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. C'est l'espérance qui te stabilise dans le temps d'attente. Et à cause de cela, ta foi reste ferme. Ton assurance reste pleine, totale. Peu importe le temps que cela va prendre. Car il a dit dans Ésaïe 55 que sa parole est comme la pluie. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Amen. Dieu t'a déjà promis quelque chose. Il va le faire. Amen. Sinon, il n'aurait pas osé te le promettre. Alléluia. Il a promis pour te donner de l'espérance. Alléluia. Et cette espérance va générer la foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La fermeté de notre foi dépend de la qualité de notre espérance. Vous m'entendez? Si tu veux fortifier ta foi, agis sur ton espérance. Alléluia. Lisons ces passages, affiche-les, s'il vous plaît. À partir, Colossiens, à partir du verset 27e, il est dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. L'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Chapitre 2, à partir du 4e verset. Après avoir parlé de l'espérance, allons-y. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et quoi ? La fermeté de votre foi en Christ. Alléluia. Parce que Christ est l'espérance de la gloire. Leur foi est ferme. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Alléluia. Vous voyez la qualité de la foi des Colossiens. Ils ont une telle qualité de foi, une telle fermeté de foi à cause de la révélation qu'ils ont reçue, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Peu importe ce qui arrive, je peux combattre cela parce que j'ai l'espérance de la gloire. Ce à quoi je m'attends est glorieux. Et à cause de cela, j'aurai la foi pour combattre toute situation, toute chose qui n'est pas glorieuse dans ma vie. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Si tu ne t'attends pas à la gloire de Dieu, il y a des choses que tu vas accepter. Mais si tu t'attends à la gloire de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas accepter. Et parce que tu ne vas pas les accepter, le Saint-Esprit va te donner la foi pour les vaincre, pour les combattre, pour les surmonter, pour les transformer. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans la parabole du semeur en Matthieu, ils avaient tous reçu la parole. Mais ceux qui n'avaient pas d'espérance ont laissé tomber la parole à cause des difficultés, à cause des séductions. Ils n'avaient pas d'espérance. Quand les difficultés sont arrivées, ils se sont découragés et ils ont laissé tomber la parole parce qu'ils n'avaient pas d'espérance. Vous m'entendez? C'est très, 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 très important. Et dans le chapitre 6,
Verset 31 à 34, Jésus dit, Matthieu 6, « Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Ouais, tout ça c'est au futur, n'est-ce pas? Il agit sur leur espérance. Car toutes ces choses, c'est les païens qui les recherchent. Votre Père sait de quoi vous avez, sait que vous en avez besoin. Voici notre espérance. En ce qui concerne le lendemain, Papa connaît mes besoins. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6 à 7. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Voici une chose que les chrétiens ignorent. C'est la puissance, la valeur de l'espérance pour affermir leur foi. On regarde trop à la foi. Mais il n'y a pas de foi vivante là où il n'y a pas d'espérance. N'est-ce pas? Le temps d'attente est sous notre pouvoir. Le temps d'accomplissement est sous le pouvoir de Dieu notre Père. Vous m'entendez? Jésus a dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est une question de temps. Et la femme dit, « Faites ce qu'il vous dira. » Autrement dit, restez disponible jusqu'à ce qu'il parle. Vous êtes capable d'attendre. Alléluia. Dieu te dit, tu es capable d'attendre. C'est ça ta puissance, c'est ça ton pouvoir. Le temps d'accomplissement est sous le pouvoir de Dieu, notre Père. Mais le temps d'attente est sous notre pouvoir. Ne perds pas ton pouvoir. Amen. Parce que le miracle, c'est la combinaison de ces deux pouvoirs. Amen, amen, amen. De celui qui attend et de celui qui accomplit. Quand ça se rencontre, c'est là où le miracle se produit. Ne perds pas ton amen. Pouvoir. Et pour pouvoir attendre, on a besoin d'espérance. Alléluia. Je me souviens de ce conte, c'était un conte qu'on nous racontait quand nous étions enfants. Deux femmes devaient faire un long voyage portant deux fardeaux, lourds fardeaux du même poids sur leur tête. Chemin faisant, la seconde s'est vraiment fatiguée. Elle a demandé à la première de s'arrêter. Elles se sont arrêtées. Elles ont repris encore la route après une pause. La seconde s'est encore fatiguée. Et finalement, elle a demandé à la première, « Quel est ton secret? Pourquoi tu ne te lasses pas ?» La première lui a dit, « J'ai une pierre qui allège le fardeau qui allège le poids de mon fardeau. » Et la deuxième lui a dit, « Mais pourquoi tu ne me la partages pas ?» Elle dit, « Mais c'est parce que tu n'avais pas demandé. » Elle lui a dit, « Je veux te montrer ce qu'est cette pierre. » Elle lui a dit, « À partir de maintenant, ne regarde pas au chemin que tu as parcouru. Concentre-toi sur le chemin qui reste à parcourir et regarde à ça constamment et tu vas voir que tu vas oublier le poids de ton fardeau. » Tu sais, quand tu commences à dire à Dieu, ça fait 5 ans que j'attends, tu as regardé en arrière. Alléluia. Garde tes yeux sur l'objet de ton attente. Tu m'entends? Le temps d'accomplissement n'est pas en notre pouvoir. Si c'était en notre pouvoir, on déclencherait tout et n'importe quoi quand on le veut. Vous m'entendez? Dieu sait ce qu'il est en train d'opérer en nous.
Alléluia. Dieu sait. Chaque instant que nous passons dans sa présence n'est jamais vain. Jamais. Quand tu as demandé quelque chose à Dieu, le temps de prière lui a permis d'agir en toi. Je suivais le docteur Osborne durant la semaine et il a dit une phrase qui m'a étonné. Il a dit, les miracles. Il a commencé par dire, pendant qu'il parlait, il dit, personne n'a vécu plus de miracles que lui. Et ce n'était pas faux. Hein? Ce n'était pas faux. Il a commencé parce que c'était une formation qu'il donnait dans une école biblique. Il a commencé par dire, je ne vous comprends pas. Tout le monde commence à se focaliser sur le fait de tomber quand on prie pour toi. Il dit, je n'ai pas de problème que tu tombes ou que tu ne tombes pas, ce n'est pas mon problème. Le but recherché, ce n'est pas de tomber. Mais c'est ce que tu attends là. Si tu l'as reçu, là quelque chose s'est passé. Il dit, les gens sont devenus trop sentimentaux. Et il dit, pendant qu'il parlait, personne n'a vécu autant de miracles que lui, et je vous assure que c'est vrai, ce n'est pas de l'orgueil. Il dit, mais dans ces campagnes, les gens ne tombent pas. Mais les aveugles voient, les boiteux marchent. J'ai assisté moi-même à une de ces campagnes, j'étais là moi-même. La prière pour la guérison n'a pas fait une minute, je chronométrais. On ne pouvait pas compter le nombre de béquilles qui étaient en l'air. Mais il dit ceci. Les miracles, ce sont des solutions. Ce ne sont pas des solutions définitives de Dieu. Et puis il dit l'exemple. Qui connaît le frère Lazare de Jean chapitre 11? Qui connaît le frère Lazare? Quel miracle il a vécu? Il a été ressuscité des morts, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il vit maintenant? Il est mort après. Cette résurrection n'était pas définitive. Mais c'est ce que nous apprenons dans cette séquence qui est le plus important. Que Jésus est la résurrection et la vie. Donc quand tu n'as pas encore palpé à l'objet de ton attente, ne désespère pas. Entre-temps, tu es en train d'apprendre des choses sur Dieu. Ton pouvoir est d'attendre. Son pouvoir à lui est d'accomplir. Alléluia. Alléluia. Il y a des erreurs dans la foi, c'est que nous voulons jouer le rôle de Dieu et nous demandons à Dieu de jouer le nôtre. C'est très impoli. La foi, ce n'est pas ça. Tu m'entends? La foi, ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas un coup de baguette magique où on fait ce qu'on veut, quand on veut. C'est pourquoi il dit la foi, c'est d'abord avoir une espérance. Jusqu'en être convaincu et l'attendre fermement. Si tu réussis ça, quand le temps d'accomplissement va venir, tu vas palper, tu vas toucher à l'objet de ton attente. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant que nous avons vu l'importance de l'espérance, d'où vient-elle alors, cette espérance? Étant donné que notre foi dépend de l'espérance, n'est-ce pas? D'où vient cette espérance? Réfléchissons un peu. Hébreux 11, 1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, n'est-ce pas? Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Ce que j'espère, je ne le vois pas, parce qu'il est au futur. Mais je veux le démontrer si j'ai la foi. Si j'ai une ferme conviction que ce que j'espère va se manifester. Autrement dit, suffit-il d'espérer quelque chose pour pouvoir le démontrer un jour? Si tu espères fortement que tu vas devenir multimilliardaire, cela va-t-il arriver? Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase, « La victoire revient à ceux qui le désirent le plus » C'est faux. C'est faux. En tout cas, si tu comptes sur le Seigneur, cette déclaration est fausse. À partir de maintenant, quand on lit Hébreux 11:1, nous devons nous arrêter et comprendre que si notre espérance est mauvaise, notre foi sera mauvaise. Vous entendez? Quelle est ton attente? Quel est l'objet de ton attente? Parce que la foi va agir sur cela. Par exemple, l'inquiétude est une forme d'espérance. C'est une espérance négative. Quand tu t'attends au pire, tu vas être surpris des choses que tu vas faire, des décisions que tu vas prendre, des paroles que tu vas dire pour que le pire arrive. Parce que l'inquiétude est une mauvaise espérance. Vous m'entendez? On raconte l'histoire d'une personne qui a demandé quelque chose à Dieu. Et puis il a dit, Dieu, quand je vais ouvrir les yeux, cette chose doit disparaître. Au nom de Jésus. Quand il a ouvert les yeux, la chose était là. Il dit, je le savais. Vous comprenez? Cette chose ne pouvait pas disparaître parce qu'il savait. Son attente était que la chose resterait là après qu'il ait ouvert les yeux. Mais pourtant, il a parlé. Alléluia. Un jour, j'ai lu un livre qui avait excité ma foi. Et, pendant que je lisais, il pleuvait. Et je devais aller à l'école. Alors j'ai dit, au nom de Jésus, quand je vais sortir, la pluie va s'arrêter. J'ai marché sous la pluie. Moi, au moins, j'ai essayé. Ah, ah. Ah ouais. Moi, au moins, j'ai essayé. J'étais tellement convaincu. J'avais une ferme assurance que j'ai laissé mon parapluie. Et j'ai refusé de m'abriter. Je suis arrivé à l'école mouillé. Mais je pense que Dieu a aimé ça. Dieu a aimé ça. Mais si je savais ce que je veux vous partager aujourd'hui, je n'aurais pas eu besoin de faire ça. D'où vient ton espérance? Ah ah! Qui t'a dit que tu dois attendre ce que tu attends? Ah ah! Tu comprends maintenant? Qui t'a dit que tu dois attendre ça? Nous savons tous que la foi est un don de Dieu. Éphésiens 2:8, c'est par grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. N'est-ce pas? Si la foi est un don de Dieu, et si la foi dépend de l'espérance, l'espérance aussi doit venir de Dieu. Amen. Alléluia! Amen. On ne te dit pas... Espère fortement que tu deviendras président de la République. Et à force de l'espérer, tu le deviendras. Ça, c'est la magie. L'évangile ne prêche pas ça. Jésus n'a jamais enseigné ça. Vous m'entendez? Jésus est arrivé au pays des Gérasiniens. Il a délivré une seule personne et il est parti. Il avait la puissance de chasser tous les démons.
Il est allé dans ce cimetière, il a parlé seulement à Lazare. Et il est parti. Il pouvait faire en sorte que tous les morts ressuscitent. Parce que nous allons mettre notre foi en action, n'est-ce pas? Pour vivre quoi? Pour vivre quoi? Ce qu'on veut? Bien sûr qu'on doit le vouloir. D'où vient cette espérance? Cette espérance qui produit la foi, d'où vient-elle? Il y a 5 choses au moins dans la parole de Dieu qui produisent cette espérance. Premièrement, les Écritures, le Logos, et notez les passages. L'espérance vient des Écritures, le Logos, les Écritures. Romains 15, 4, Colossiens 1, 23, 1 Pierre 1, 3, puis verset 23. Deuxièmement, du témoignage intérieur par l'Esprit, le Réma du Christ. Alléluia! Je suis en train de vous équiper pour être disponible quand le moment sera venu de mettre votre foi en action. Du témoignage intérieur par l'Esprit, ce qu'on appelle le Réma de Christ. Romains 8, 15 à 16, Romains 10, 17, Jean 10, 1 à 5 et 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Troisièmement, des expériences victorieuses par la foi. Alléluia! Des expériences victorieuses par la foi. Romains 5, 1 à 5, Romains 8, 35 à 39. Quatrièmement, l'espérance. Cette espérance vient de Dieu lui-même, de sa personne, de sa présence, de sa nature. Romains 4, 17 à 18, puis Romains 15, 13, et les versets qui suivent. Jean 8, 56 à 58, Jean 14, 10, Genèse 18, 1 à 2, Colossiens 1, 27, Colossiens 2, 8 à 10, 1 Timothée 1, 1, Actes 27, 20 à 25, de telle sorte que si je n'ai pas le temps de lire tous ces passages, si vous prenez ces choses au sérieux, vous allez les étudier vous-même. D'accord? Et enfin, cette espérance vient des projets de Dieu et de la nouvelle alliance. Alléluia! Vous avez vu ça? Ce sont des paroles certaines et véritables. Et je suis heureux de les recevoir, de les avoir reçus. Je suis davantage heureux de pouvoir vous les transmettre. Je suis heureux de vous transmettre ces secrets divins. Alléluia. Alléluia. Premièrement, là maintenant tu affiches mon frère. Premièrement, cette espérance vient des Écritures. Romains 15, verset 4. Je te dicterai les références, ne te tracasse pas. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, écrit n'est-ce pas, l'a été pour notre instruction, afin que, par quoi? La patience et la consolation que donne... Nous possédions quoi? Le miracle. Nous possédions quoi? La foi. Nous possédions quoi? L'espérance. Alléluia. Tu ferais mieux d'accepter ça. Et tu vas gagner du temps. Parce qu'on ne fait pas de bras de fer avec Dieu. Il ne perdra jamais. Nous voulons posséder des miracles. Nous voulons posséder des exaucements. Dieu veut que nous les possédions. Et il nous donne le secret. Il dit, cherche à posséder l'espérance. Tu m'entends? Cherche à posséder l'espérance. Est-ce que tu m'entends? Cherche à posséder l'espérance. Parce que si tu as l'espérance...
tu auras la foi. Et cette espérance vient de quoi? Des Écritures. Du Saint-Livre. Pas de la bouche d'un prophète. Pas de la bouche d'un homme oint. Est-ce que vous m'entendez? Mais dans les Écritures, dans les Écritures. Il y a des instructions dans les Écritures. Il y a des instructions, des directives précises dans les Écritures. Quand le temps d'accomplissement arrive, le Saint-Esprit est extraordinaire. Tu trouves une réponse actuelle à travers un verset biblique. Mais avant que ce moment ne vienne, il veut que les Écritures te confèrent l'espérance. Alléluia. Et quel est le chemin que l'espérance prend? Il vient d'abord, l'Écriture vient te donner la patience. Vous m'entendez? Et ensuite, l'Écriture donne la consolation. Pour que toi, tu fasses quoi? Tu possèdes l'espérance. Est-ce que vous entendez ce que l'homme dit ici? Les Écritures, n'est-ce pas? Les Écritures donnent. Et nous, nous possédons. Je recommence. Les Écritures donnent. Et nous, nous possédons. Alléluia. L'Écriture te donnera la patience et la consolation. Et c'est à toi de posséder l'espérance. Prenons un exemple. Voici, il y a une situation douloureuse. Et comme le plus souvent, dans une situation douloureuse, nous voulons que le Seigneur agisse le plus vite possible, n'est-ce pas? Nous sommes donc pressés d'en sortir. Et si c'est le cas, tu as raison, tu es normal. Alléluia. C'est normal de vouloir sortir d'une souffrance le plus vite possible. C'est normal. Tu m'entends? C'est absolument normal. Mais si tu veux que Dieu t'en sorte, consulte sa parole. Alléluia. Et dans cette situation, ce que la parole te donne d'abord, c'est la patience. C'est-à-dire la capacité de t'attendre à Dieu. Pas la capacité d'attendre longtemps. Amen. Mais tu commences à apprendre à attendre la réponse qui vient de Dieu. Parce que la réponse peut venir autrement. La patience est une très grande qualité. Et si tu acceptes de t'attendre à Dieu, alors tu vas recevoir la consolation. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu veut que nous apprenions par les Écritures que notre paix ne dépend pas de circonstances. Notre paix ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas. Notre paix dépend de lui, car c'est lui le prince de la paix. C'est lui Yahvé Shalom. C'est lui l'éternelle paix. Alléluia. L'Écriture te donne la patience et la consolation. Et un homme patient et consolé possède l'espérance. Alléluia. Ça devient sa possession. Alléluia. Quand on possède l'espérance, on a une attente précise. Et sur la base de la parole, on s'attend à ça. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri, alors je m'attends à ça. La maladie peut partir à l'instant, ou dans une heure,
ou plus tard, peu importe, j'ai l'espérance. Par ces meurtres issues, j'ai été guéri. Donc j'arrête de me regarder sur un lit d'hôpital. J'arrête de me voir aller à la tombe. J'arrête de voir mon funérail. Quand je possède l'espérance, j'ai une vision inverse. Je me vois debout. Je me vois en train d'agir. Je me vois continuer mon œuvre. Et raconter la gloire de Dieu. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Là, tu possèdes l'espérance. Retiens bien ça. Les Écritures nous donnent la patience et la consolation afin que nous possédions l'espérance. Amen. Alléluia. Colossiens 1, verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de quoi? De l'espérance de l'évangile. Alléluia. Donc l'évangile donne l'espérance. Alléluia. L'évangile donne l'espérance. L'évangile donne l'espérance. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pourquoi? Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a régénérés pourquoi? Pour une espérance vivante. Alléluia. C'est très important. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. L'espérance vivante vient de la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Et comme ce n'est pas une semence corruptible, nous avons une espérance extraordinaire. C'est cette espérance qui est annoncée dans 1 Corinthiens 15 et dans 1 Thessaloniciens 4. Nous savons que même la mort n'est pas une fatalité pour nous. Un jour, ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Et Paul dit, consolez-vous par ces paroles. Il dit, ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous m'entendez? Et cette espérance, nous la tenons où? De la parole de Dieu, de l'évangile, des Écritures. Alléluia! Amen. J'appelle ça l'espérance de celui qui n'a rien à perdre. Amen. L'espérance extrême te dit, tu n'as rien à perdre. Hébreux 11 raconte que certains ont refusé la délivrance. Il y a des gens qui ont refusé la délivrance. Ils ont refusé d'être délivrés de certaines souffrances parce qu'ils avaient une espérance plus grande. Et ça, c'est très important. Si tu n'as pas cette espérance-là, tu vas renier la foi. Nous devons commencer par l'extrême. Alléluia. Les amis de Daniel dans Daniel 4 ont dit, notre Dieu peut nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous prosterner. Parce que s'il ne le fait pas, c'est que notre temps est venu de nous retrouver là-bas dans sa présence. Si tu n'as pas cette espérance, si tu n'as pas l'espérance que Dieu, malgré le système de certains pays où on te dit, j'ai entendu dire que dans certains pays, il y a deux contrats pour l'embauche. On te dit, tu signes ça et puis tu signes pour entrer dans une secte. Si tu n'as pas l'espérance que Dieu peut te donner du travail, et même s'il ne le fait pas, tu ne mourras pas.
Si tu n'as pas cette espérance-là, ta foi va être compromise. Tu m'entends? Et les chrétiens parlent trop, j'ai la foi. Mais regardez son espérance. Jusqu'où va son espérance? Et parfois l'ennemi résiste, parce qu'il a de l'expérience. Il sait que l'homme, jusqu'à un certain niveau, il va craquer. Mais ton espérance est vivante, alléluia. Qu'elle ne craque jamais au nom de Jésus. Parce que si tu perds ton espérance, tu n'as plus de foi. Il n'y a plus de foi à mettre en action. Alléluia. Donc, premièrement, l'espérance, cette espérance dont Hébreux 11, 1 parle, vient des Écritures. Alléluia. Tous les projets qui sont devant toi, filtre-les maintenant par les Écritures. Tu m'entends? Je te parle de tout mon cœur. Je veux que tu gagnes du temps. Dieu tient tellement à toi qu'il ne te donnera pas ce qu'il n'a pas prévu. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Alors ne perds pas ton temps à t'attendre aux choses que la parole de Dieu ne te permet pas d'avoir. Amen. Regarde tes projets. Filtre-les avec la parole de Dieu. Tout projet que la parole de Dieu condamne doit être abandonné. Amen. Sans sentiment. Alléluia. Permets au Seigneur de monder ta vie de ces choses inutiles. La vraie foi ne soutiendra jamais ce genre d'attente. Alléluia. Mais si tu t'entêtes, alors le diable peut t'aider. Le diable n'aide que pour détruire. D'accord? Très important. Très, très important. Très important. Ta foi ne peut pas être bonne si tu ne connais pas les saintes Écritures. Vous m'entendez? Impossible. 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 Il y a plein de témoignages qui me viennent à l'esprit, mais je ne vais pas les donner. Deuxièmement, cette espérance vient du témoignage intérieur de l'Esprit et des rémas de Christ. Commençons par Romains 10, 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Comparez. Plusieurs disent que la définition de la foi, c'est Romains 10, 17. D'autres disent que la définition de la foi, c'est Hébreux 11.1. La définition de la foi, c'est Hébreux 11.1. Mais l'origine de la foi, c'est Romains 10.17. Ici, on ne dit pas que la foi est. Mais on dit la foi vient. Alléluia. La définition est dans Hébreux 11.1. La foi est. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ce qu'on entend produit en nous la foi. Alléluia. Quand ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ce qu'on entend produit en nous la foi, laquelle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous comprenez tout de suite que ce qu'on entend de la parole de Christ va nous donner une espérance. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Va te laver au réservoir de Siloé.
Il s'en alla et il revint, voyant clair. Mais il est parti, pourquoi? Parce que Christ lui a donné un réma, une parole personnelle. Va te laver au réservoir de Siloé. À un autre aveugle, il a dit autre chose. À ce dernier, il dit, va te laver. Donc l'homme a réfléchi. Il a dû se dire, j'irai là-bas parce que ma solution se trouve là-bas. Et parce qu'il a accepté cela, cela lui a donné une espérance, une attente. À partir de ce moment-là, il n'avait qu'un seul objectif, atteindre le réservoir de Siloé. Combien de temps cela lui a pris? Le réservoir était à combien de kilomètres? Est-ce que vous le savez? Peut-être qu'il était à côté, peut-être qu'il était un peu plus loin, mais en même temps, le monsieur est aveugle. Il doit utiliser les moyens qui sont à sa disposition pourvu qu'il arrive là-bas. J'imagine qu'il a demandé où se trouve le réservoir de Siloé. Et il est tombé sur des enfants méchants qui l'ont trompé. C'était à droite, ils lui ont dit, va à gauche. C'est comme un jour, je cherchais la route, je devais aller quelque part et je me suis égaré. J'ai demandé à une personne, elle m'a indiqué. Je voyais que son indication était sérieuse. J'ai suivi l'indication, mais c'était très loin. Je me suis arrêté quelque part. J'ai demandé à une autre personne, la personne m'a répondu vraiment calmement. Tu vas comme ça, après tu vas à droite. Après, quand j'ai démarré pour avancer, le Seigneur m'a dit, regarde, j'ai regardé dans le rétroviseur, ils ont commencé à rire. J'ai compris tout de suite qu'il s'est moqué de moi. Alors j'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Il m'a dit, fais l'inverse de ce qu'il t'a dit. Et j'ai trouvé le chemin. C'est l'espérance qui fait que tu persévères jusqu'à arriver là où Christ a donné l'instruction. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez donc le réma de Christ, c'est ce réma qui te donne l'espérance. Mais c'est toujours une instruction particulière qui est en harmonie avec l'ensemble des Écritures. Écoutez-moi très bien. Le réma vient comme un témoignage intérieur. Ne vous en faites pas, ça vient toujours comme ça. C'est une douce voix en toi. Alléluia. C'est un message étrange. Ça ne passe pas par ton intellect. D'accord? Tu ne prépares pas ça à l'avance. Comme mercredi dernier, je ne savais pas que j'avais oublié la sœur, son nom. Je ne savais pas. Et quand on a commencé à adorer le Seigneur, l'Esprit est venu sur moi. Il m'a dit, tu as oublié quelqu'un. J'ai revu la scène en un clin d'œil. Je me suis revu citer le nom de tout le monde, sauf ça vient en un clin d'œil. N'allez pas me dire que j'ai entendu la voix, sinon tout le monde allait entendre. Tout est venu comme un dépôt instantané sur le cœur. Et en même temps, je dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Il m'a dit, c'est moi qui ai fait que tu as oublié. Afin que... Et ma bouche a dit ce que j'ai dit. Ce n'est pas moi. Je m'appuie en ce moment sur la puissance de Dieu. Et ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. Amen. Et c'est une parole qui doit lui donner à elle de l'espérance. Et à nous aussi qui l'aimons et qui prions pour elle. Parce que nous avons vu le chemin. Nous avons compris sa saison. Mais ça vient comme un dépôt comme ça sur le cœur. Mais si tu n'as pas les Écritures, si tu n'as pas le Logos, comment tu fais la différence pour savoir si ça vient de Dieu ou de la chair? Vous comprenez? C'est pourquoi la première base est très importante.
Dieu va te donner une espérance générale qui repose sur sa parole générale. Là-bas, il n'y a pas de miracle. Le miracle de la première étape, c'est le miracle de la patience et le miracle de la consolation. On te dit, mais comment est-ce que tu arrives à être stable dans cette situation? Je dis, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Tout miracle commence dans l'invisible. Mais cette base générale est très importante pour te permettre de t'ancrer dans le témoignage intérieur pour savoir lequel vient de l'esprit ou lequel vient de la chair. Je ne parle même pas du diable. Vous m'entendez? Parce que quand tu es en Christ, tu as malheureusement deux sources. Ton esprit qui est uni au Saint-Esprit, qui écoute l'esprit, et la chair qui va toujours dans le sens opposé à l'esprit. La chair. La chair, mes amis, pas le diable. Le diable est au dehors. Le diable est au dehors si tu es en Christ. Les démons sont au dehors si tu es en Christ. Les traditions sont au dehors. Mais tu dois connaître la chair. Et ainsi, la chair peut te donner des foréma par un témoignage intérieur. On parle du témoignage intérieur de l'esprit. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a très très longtemps, une sœur est venue me voir pour me demander de prier avec elle parce que le frère qu'elle aimait était allé faire la prédot d'une autre sœur. Alors déjà, la problématique était un peu bizarre. Moi, j'aime prendre le temps d'écouter parce que je dis, mais comment est-ce qu'une chrétienne peut raisonner comme ça? Alors, elle a commencé à me raconter. Les trois sont dans le même groupe d'intercession. Le pauvre frère ne sait pas. Le frère parlait beaucoup avec cette dernière, la sœur, mais son cœur battait pour une autre. Donc les frères, faites attention aussi. Faites attention. Ne faites pas rêver les filles d'autrui pour rien. Si ton cœur penche déjà ailleurs, alors arrête d'approfondir des relations inutilement. Donc, il s'entendait tellement bien que la sœur s'est fait des idées. Et un jour, dans l'intercession, le frère et la sœur sont allés voir leur responsable, la sœur qu'il aimait. Ils ont dit aux responsables qu'ils sont tombés d'accord pour se marier. OK. Et quelques mois plus tard, ils sont allés rencontrer les familles pour faire ce qu'on appelle la prédote. Et c'est pendant cette période-là que la sœur viendra me voir. C'est des gens qui ne sont pas de notre assemblée. Mais comme elle m'écoutait de loin, elle a pris le train. Elle est venue me voir. Elle m'a raconté l'histoire. J'ai dit, mais va voir ton pasteur. Va voir ton pasteur. Elle me dit, j'ai parlé au pasteur, mais le pasteur n'a pas de révélation. Je dis, ah bon, laquelle des révélations? Il dit, le Seigneur m'a dit que c'est mon mari. Alors je dois lutter pour arracher mon mari. On parle d'un chrétien. Je dis, ma sœur, ça ne se fait pas. Tu es en train de combattre le mariage d'un frère et d'une sœur. Elle me dit, mais je veux le protéger parce qu'il est en train de se tromper. Non, non. Non, c'est ta convoitise. Tu ne veux pas le protéger. Mais tu ne veux pas le perdre. C'est ta convoitise. Elle avait un témoignage intérieur. Tu comprends? Mais qui ne vient pas de l'esprit. Alors, qu'est-ce que je veux dire?
si tu as ce témoignage intérieur-là et que tu connais la parole de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bénir cette initiative-là. Ça vous choque? Tu dois les bénir parce qu'un enfant de Dieu ne maudit pas. Et si cette personne était à toi, Dieu va empêcher ce mariage. C'est Dieu qui va le faire. Vous comprenez? Le témoignage intérieur de l'esprit. Le témoignage intérieur de l'esprit. Le témoignage intérieur de l'esprit. Pour trancher, tu dois connaître le logos. Chaque réma doit être validé par le logos. Les écritures. On ne le dira jamais assez. Parce que c'est le réma qui va te donner la foi. Autrement dit, le réma va te donner une attente précise et qui va te donner une ferme assurance. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Et ça va se démontrer. Mais gare à toi si tu écoutes la chair. Gare à toi si tu écoutes la chair. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Troisièmement, des expériences victorieuses par la foi. Amen. L'espérance vient des expériences victorieuses par la foi. Lisons Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Est-ce que le Seigneur te parle? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant, on ne se réjouit pas des afflictions. Mais si on a une connaissance, si on a un savoir, il y a des afflictions qui peuvent nous réjouir. Sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. Et la persévérance produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Et bien souvent, nous nous arrêtons à la victoire dans l'épreuve. Et nous disons, nous avons la foi. Oui, la foi t'a conduit à la victoire dans l'épreuve. Mais pourquoi? Pour que cette victoire produise quoi? L'espérance. L'espérance doit être ta dernière possession. Amen. Pas l'exaucement, Amen. Mais l'espérance. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Amen. L'espérance doit être ta dernière possession. Parce que la victoire, l'exaucement, tu consommes aujourd'hui, c'est fini. Mais c'est l'espérance qui va t'aider dans l'avenir. Amen. Tu vas dire, ce Dieu qui avait fait ça hier, il fera encore ça demain. Alléluia! C'est l'espérance qui a donné à David la foi pour affronter Goliath. Il dit, ce Dieu-là qui m'avait délivré de la gueule de l'ours, il le fera encore. La victoire était passée. L'ours était déjà mort, enterré. La brebis était déjà délivrée. Personne n'était au courant. Mais cette victoire a donné à David de l'espérance. Pour les combats futurs, pour les défis futurs, pour les épreuves futures. Alléluia. Alléluia. Les victoires par la foi sont là pour nous donner de l'espérance. Amen. Quelles sont les victoires que tu as connues? Quels sont les témoignages que tu as enregistrés dans le passé? Qu'est-ce que ces témoignages t'ont appris sur Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Et qu'est-ce que cette espérance fait? Regardez, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance nous connecte à l'amour de Dieu. Ainsi, tu peux parler comme dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35.
qui nous séparera de quoi? De l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes comment? Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Vous comprenez? Il a cette ferme assurance. C'est ça la foi, n'est-ce pas? Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ainsi de suite, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est l'espérance. Quand tu sais que Dieu t'aime, peu importe le défi d'aujourd'hui, tu envisages la victoire. Parce que tu es un plus que vainqueur. Alléluia. Je recommence. Cette espérance vient des Écritures, n'est-ce pas? Deuxièmement, du témoignage intérieur, le rhéma de Christ. Et troisièmement, des expériences victorieuses par la foi. N'oublie jamais ce que Dieu a fait. Et il est même bon de témoigner parce que ça peut fortifier la foi de quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un peut s'appuyer sur ton expérience parce qu'elle est authentique et dit, si tu as fait pour elle, si tu as fait pour lui, tu peux le faire pour moi. Les expériences victorieuses sont source d'espérance. Alléluia. Et cette espérance est le socle invisible de la foi que le Seigneur attend que tu démontres dans les jours qui viennent. Parce qu'il y aura des témoignages dans les jours qui viennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quatrièmement, Abraham va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Romains 4, 17 à 18. Romains 4, 17 à 18. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Qui? Dieu. Il a une révélation de Dieu. Il a cru en Dieu. Arrête-toi, vous allez voir que nous croyons plus à la doctrine qu'à Dieu lui-même. Vous voyez, dans l'église, on dit la doctrine du salut. La doctrine de la guérison, la doctrine de miracle, la doctrine de la prière, la doctrine de la foi. Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Si tu connais la doctrine sans connaître le docteur, tu es en danger. Où est Jésus dans tout ça? Toute cette marche, Dieu a voulu qu'Abraham le connaisse lui. Et Abraham a découvert que Dieu donne la vie aux morts. Et il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors, il a espéré quoi? Contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il était dans une situation où il n'y avait pas d'espérance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était naturellement impossible. Et avant lui, il n'y avait pas de précédent. Vous m'entendez? Il n'avait aucun témoignage sur lequel s'appuyer. Il était dans une situation naturellement impossible. Donc, l'espérance était inexistante. Où est-ce qu'il a puisé l'espérance contre toute espérance? Où est-ce qu'il a puisé ça? Où a-t-il trouvé cette espérance? Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Dieu est le Dieu de l'espérance. Si tu crois en Dieu, là où il n'y a aucune écriture pour puiser ton espérance, là où il n'y a aucun rhéma pour puiser ton espérance, là où il n'y a aucun précédent de victoire par la foi, Dieu lui-même deviendra la source. Sa personne, sa nature devient la source.
sa personne. Amen. Ce n'est plus l'écriture, mais sa personne. C'est pour ça qu'il y a des dérives. Parce que ce miracle-là, l'homme ou la femme qui a vécu ce miracle a puisé ça dans sa communion avec Dieu. Et après lui, on en a fait une doctrine. Il n'y a aucun verset qui justifie ça. C'est une expérience qui découle de sa communion avec Dieu. Il ferait mieux de se taire et dire seulement « Dieu m'a aidé ». Alléluia. Amen. J'ai compté sur le Seigneur et il m'a aidé. Aucun apôtre n'a guéri un aveugle dans le réservoir de Siloé. Pierre n'a pas fait ça. Jean n'a pas fait ça. Mais ce jour-là, la communion que Christ avait avec le Père a montré ce chemin-là. Et c'est une fois pour toutes et c'est fini. J'ai appris à analyser ma vie. Est-ce que ça procède de ma communion ou bien des Écritures seulement? Ce qui procède de ma communion, je ne le dis pas. Les gens vont faire des erreurs. Dieu m'en demandera des comptes. Alléluia. Revenons à Abraham et on va s'arrêter là. Il a cru Dieu. Comment il a fait ça? Il a découvert que Dieu est le Dieu de l'espérance. Alléluia. Amen. Vous me suivez toujours? Regardez, c'est très puissant. Par exemple, ce que Paul est en train de raconter ici, vous ne trouvez pas ça dans l'Ancien Testament. C'est une révélation. Et comme c'est dans la même lettre, dans Romains 15, il dit « Le Dieu est le Dieu de l'espérance ». Donc, quand il n'y a plus d'espérance et que Dieu est là, étant donné que Dieu est le Dieu de l'espérance, je peux puiser l'espérance en lui. Amen. Amen. Mais comment il a fait ça? 1 Timothée 1:1. 1 Timothée 1:1. Paul, apôtre de qui? De Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ qui? Notre espérance. Jésus-Christ est notre espérance. Amen. Le Dieu de l'espérance, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bon, Abraham a dû avoir la révélation de Jésus-Christ pour espérer contre toute espérance. Écoutez ça très bien. Écoutez ça très bien. Parce que tout ce que nous avons fait jusque-là peut être limité par ta connaissance de Christ lui-même. Comment je le sais? Premièrement, Jean 1 nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. N'est-ce pas? Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le logos. N'est-ce pas? Donc quand tu as le logos, tu peux espérer, même s'il n'y a pas de précédent. Parce que c'est le logos qui crée les choses. Et ce logos, c'est Jésus-Christ. Amen. Suivez-moi très bien. Alors, comment est-ce que Abraham a dû connaître Jésus-Christ? Quand on dit « la parole de l'Éternel fut adressée à », c'est le Logos. Les gens de l'Ancien Testament qui ont reçu la parole ont été en contact avec Jésus-Christ. Amen. Avant qu'il ne soit fait chair, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous.
pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. C'est la parole qui a été faite chair, le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette parole-là, les prophètes de l'Ancien Testament l'ont reçue. Ils ont reçu le Logos. Ils ont été en contact avec Jésus-Christ sous forme de Logos. Et la vie d'Abraham a commencé par ça. Et combien de fois n'est-il pas dit, l'Éternel apparut à Abraham. Maintenant, regardons ce que Jésus lui-même dit d'Abraham. Jean chapitre 8, versets 56 à 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il sait. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Ils n'ont même rien compris. C'est Abraham qui l'a vu. Ce n'est pas l'inverse. Oui, ils n'ont même pas compris le discours. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Voici ce que j'essaie de vous dire. C'est que nous avons les Écritures, n'est-ce pas? Qui nous transmettent l'espérance. Nous avons le Réma qui nous transmet l'espérance. Nous avons des expériences victorieuses par la foi qui nous transmettent l'espérance. Tout ça, c'est pourquoi? Afin que nous connaissions Jésus-Christ lui-même. Vous m'entendez? Afin que nous connaissions Jésus-Christ lui-même, parce qu'il y aura des situations où notre seul appui, notre seule source d'espérance, ce sera lui-même. Parce que beaucoup de ceux qui m'écoutent seront des pionniers. Ils vont ouvrir des portes que personne n'a jamais ouvertes. Ils vont passer par des chemins que personne, par lesquels personne n'est jamais passé. Ils n'auront pas d'antécédents. Ils n'auront pas de repères. Ils vont se référer à qui? Ils n'auront pas de référence. Mais leur communion avec Jésus-Christ va les pousser là-bas. Et après eux, plusieurs vont prendre ce chemin. Recevez ça au nom de Jésus. Tu peux espérer contre toute espérance. Là où l'Église n'arrive pas encore à espérer, toi tu peux espérer. Là où les gens n'arrivent pas à espérer, toi tu peux espérer. Parce que tu connais le Dieu de l'espérance, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et enfin, la dernière source de l'espérance, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand Dieu forme des projets sur nous, quel est son but? Qu'est-ce qu'il veut nous donner? Quand Dieu te révèle un projet, il est forcément grand, n'est-ce pas? Quel est son but? Quand Dieu te révèle une grande entreprise, quel est son but? Quand Dieu te révèle une formule qui va faire de toi un grand inventeur, quel est son but? Quand Dieu te révèle une grande sagesse qui va te permettre de donner des solutions aux familles, aux nations, quel est son but? Quel est son but derrière les projets qu'il forme sur nous? Quel est son but? Le but est devant nos yeux, n'est-ce pas? C'est quoi? Donner quoi? Et ouais, l'espérance est toujours à la fin. L'avenir, c'est le profit naturel que tu vas avoir. Vous comprenez? C'est le profit naturel,
le profit matériel, ce qu'on appelle la bénédiction. Mais ce n'est jamais la finalité. Il faut qu'on s'arrête et qu'on relise la parole de Dieu. Il faut qu'on relise la parole de Dieu. Comme Romains 5, la victoire n'est pas la finalité. La victoire doit produire l'espérance. Sinon, tu n'auras pas d'autre victoire. Un avenir et de l'espérance. Donc son projet, c'est pour nous donner de l'espérance, passant par un avenir. Alléluia. Et c'est ce qui va faire que tu vas créer d'autres cycles plus grands. L'avenir ne va pas t'emmener dans un cycle plus grand. L'avenir va te donner un meilleur confort. Mais c'est l'espérance qui va te faire bosser encore. Chercher encore, investir encore, réinvestir, sacrifier encore, parce que tu vois quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu vois. Alléluia. Alors je dis, waouh Seigneur, quand tu nous as donné la vision plénitude de vie, c'est pour nous donner de l'espérance, il dit oui. Ah, quand tu as confié tel projet à mon frère, c'est pour lui donner de l'espérance. Il me dit oui. Je dis, mais je dois leur dire à eux tous. Il me dit, ils vont t'écouter. Chaque cœur va entendre l'esprit. Dis-toi, parle seulement. Tu n'as pas besoin d'aller leur parler personnellement. Chaque cœur va entendre ma voix dans son esprit. Et j'ai dit, merci Seigneur. Et il me dit, mais quelle est la plus grande espérance que l'on puisse avoir? Ma bouche a parlé sans réfléchir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il me dit, très bien, n'as-tu pas lu que mon serviteur Paul a dit que c'était le mystère caché de tous les temps? C'est le projet le plus secret qu'il a révélé dans ces temps de la fin. Voilà le projet, le plus grand de tous les projets. Alléluia, le plus grand de tous les projets, pour que vous ayez l'espérance que l'homme n'a jamais eue. Votre espérance va dépasser celle d'Abraham. Tu vois, tu ne savais pas ça. Tu as mis Abraham comme le paroxysme de l'espérance. Il dit non, non. Le mystère caché de tout temps, Abraham n'avait pas connu ça, qui a été révélé à ce temps-ci, à partir de l'apôtre Paul. Donc nous pouvons espérer ce qu'Abraham n'aurait pas osé espérer. Nous pouvons espérer ce que David n'aurait pas osé espérer. Tu comprends ça? Et parce que tu vas espérer le maximum, ta foi va produire des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point encore entendues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Les apôtres sont assis dans la gloire. Ils se sont témoins. Ils sont là, ils regardent, ils nous regardent. Ils disent, c'est vous qui allez démontrer la foi extrême. Dans ces temps de la fin, c'est vous que Dieu a choisi. Alléluia. C'est vous que Dieu a choisi. Alors pourquoi vous vous découragez si facilement? Pourquoi tu te décourages dans ces défis si petits? Tu as reçu l'esprit de Christ lui-même. Alléluia. Élargis ton espérance. Élargis ton espérance. Et tu vas voir ce que je vais faire. Élargis ton espérance. Regarde à Christ qui est mon projet. Mon plus grand projet. Mon projet le plus secret. Et je l'ai déjà révélé maintenant. Je l'ai révélé afin que par la connaissance de Christ, plus rien ne puisse vous arrêter. Est-ce que tu m'entends? Par la connaissance de Christ, plus rien ne pourra vous arrêter. Vous allez espérer ce que l'homme n'a jamais espéré jusque-là. Alléluia. Vous aurez une attente beaucoup plus grande. Il y a des choses dans le cœur du Père. Il attend, il cherche, mais qui va oser demander ça? Qui va oser aspirer à cela? Nous disons, Père, nous voici. Nous voici au nom de Jésus. Nous nous attendons à ces choses extrêmes. Nous nous attendons à ces bouleversements des nations. Nous nous attendons à ce jour où les grands, les soi-disant grands de ces nations
fléchiront les genoux devant Jésus. Nous nous attendons à ces jours où un vent de l'Esprit va souffler de manière extraordinaire. Il ne sera plus question de religion. Il ne sera plus question de dénomination. Mais Christ sera tout en tous. Il ne sera plus question de bénédiction. Il ne sera plus question de solution. Christ sera tout en tous. Que viennent ces jours. Que viennent ces jours où tout genou fléchit devant le Seigneur. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Élargis ton espérance maintenant. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est la gloire du Père qui est devant nous. C'est ce qu'il a mis devant nous. Nous ne savons pas à quoi ressemble cette gloire. Mais nous croyons en Colossiens 1, 27. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. 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 Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, 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 c'est l'espérance de la gloire. Une échelle. Une échelle a été mise ce matin afin que nous puissions gravir les marches de gloire en gloire dans l'esprit. Je vais t'aider pour que tu saches comment le faire. La première marche, c'est la marche des défis. Que nous avons presque tous. Nous traversons par exemple tous cette pandémie, cette crise. Nous la traversons ensemble. Nous avons des besoins et des problèmes plus ou moins communs qui se généralisent. Nous avons besoin d'espérance pour ne pas sombrer comme les hommes qui n'ont pas d'espérance. Et ça, nous le trouvons dans les Écritures. Dans les Écritures, nous avons la promesse de la sécurité de Dieu. Nous avons les promesses de sa bénédiction. Nous avons les promesses des soins qu'il donne à tous ses enfants sans exception. Alors, ce que tu as à faire, ce que toi et moi avons à faire, c'est d'ouvrir simplement les Écritures et de confesser la parole de Dieu. De confesser la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre à faire. De confesser la parole de Dieu, de croire, de croire, de croire. En ce qui concerne cette crise, nous confessons que le Seigneur nous protège et nous couvre par son sang et nous confessons que cette crise va passer. Levons-nous, commençons à proclamer. Proclamons d'abord. Nous proclamons la sécurité. Nous proclamons le sang de Jésus sur le peuple. Nous proclamons le sang de Jésus sur l'Église. Nous proclamons le sang de Jésus sur toute la famille de Dieu. Nous sommes préservés de tout mal. Nous sommes préservés de cette contagion. Nous sommes préservés de cette pandémie. Nous sommes préservés dans le nom de Jésus. Et notre travail est préservé. Cette crise ne va pas nous détruire parce que nous avons plusieurs promesses de ta protection. Le travail de mon frère, le travail de ma sœur est préservé. La vie, la santé de mon frère et de ma sœur est préservée.
et l'Église est préservée, car tu as dit que l'Église que tu bâtis, l'Église que tu bâtis, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous avons ces promesses et nous les réclamons, nous les proclamons maintenant. En Christ Jésus, nous sommes couverts. En Christ Jésus, nous sommes protégés. En Christ Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà la première marche. La première marche. Elle te demande simplement de croire ce que Dieu a dit dans les Écritures. La deuxième marche, quand elle touche à des situations particulières, tu traverses des difficultés que les autres ne traversent pas. Tu as un défi personnel. Tu as un défi personnel. Ce qui te reste à faire, monte la marche de la prière par la foi. Et là, tu présentes ta requête précisément à Dieu. C'est une nouvelle marche. Tu présentes ton besoin précis à Dieu. Jusqu'à ce qu'il te donne la paix. Tu m'entends? Quand tu as la paix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Cela veut dire qu'une solution a été décidée dans le ciel. Et je te conseille, dans cette deuxième marche, de protéger cette paix. Car le réma que tu entendras viendra dans la paix. Si tu es troublé, tu ne peux pas entendre le Seigneur. Protège cette paix-là. Veille-y. Veille-y. Parce que le Seigneur t'a entendu. Et il t'a exaucé. Ça, c'est ton besoin personnel. Alors, je veux te donner quelques secondes. Présente ce besoin à Dieu. Parle à Dieu. Présente ce besoin simplement. Présente ce besoin à Dieu. Parle-lui de tout ton cœur. Ce n'est pas une prière en général. C'est un besoin personnel et particulier. Parle-lui de tout ton cœur. Présente-lui ce besoin. Présente-le-lui. Présente-le-lui. Exprime par la foi. Montre à Dieu que tu crois qu'il t'aime suffisamment pour résoudre ce problème. Montre à Dieu que tu crois qu'il est suffisamment puissant pour solutionner ce problème. Présente ce besoin à Dieu. Présente ce besoin à Dieu. Présente ce besoin à Dieu. Père, au nom de Jésus, j'appelle maintenant la grâce de la paix. Que la paix vienne dans le cœur de mon frère et de ma sœur, sous l'onction qui est en ce lieu. Cette paix à laquelle il aurait accédé après des heures de prière, cette paix vient miraculeusement maintenant, parce que je te le demande. Jésus a dit devant la tombe de Lazare, « Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Père, exauce-moi. Donne la paix à ma sœur. Donne la paix à mon frère. Et qui garde cette paix-là. Alléluia. La troisième marche, c'est la marche du témoignage. Pense à ce que Dieu a déjà fait. Parle-en. Raconte à plusieurs ce que Dieu a fait. Rappelle-lui ce qu'il a fait. Ça, c'est la marche du témoignage et des actions de grâce. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Souviens-toi, compte ses bienfaits. Souviens-toi de cela. Qu'est-ce que tu as appris sur Jésus? Parce que tu comprends maintenant que son but était que tu le connaisses de manière particulière. De manière particulière. Et ces expériences victorieuses sont un capital extraordinaire qui te permettront dans l'avenir de croire, d'espérer là où il n'y a pas d'espérance. Parce que tu vas puiser cette espérance en Christ. Père, au nom de Jésus, que toute personne qui m'entend ce matin puisse parvenir à cette quatrième marche. Cette quatrième marche où tu es son espérance.
Jésus-Christ est mon espérance. Je puise mon espérance en lui. Je puise mon espérance en lui. Je puiserai toujours mon espérance en Christ Jésus lui-même. Là où il n'y a pas d'espérance, je peux espérer et je vais espérer parce que je puise mon espérance en Jésus-Christ lui-même. Je puise mon espérance en Jésus-Christ et je lui rends grâce pour cela. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Les autres marches sont multiples, elles sont devant nous. Tout dépend de l'amour que tu as, de la révélation de Jésus-Christ. Tout dépend de ton investissement dans ce grand projet de la nouvelle alliance. Tout dépend de toi maintenant. Ton avenir n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu contient ton avenir, mais le but de Dieu dépasse ton avenir. Alléluia. Il y a ici des gens Je trouve un moyen de formuler ce qu'il vient de me dire. Il y a aujourd'hui, parmi tous ceux qui sont en communion avec nous, des gens dont on va se référer, même quand ils ne seront plus là. Tu as entendu parler du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob, du Dieu d'Isaac. Dieu veut que tes contemporains disent de Jésus qu'il est ton Dieu. Tu m'entends? Dieu veut que ta vie valide tout ce que Jésus est. Dieu veut qu'on te prenne en référence pour glorifier Jésus. Tu m'entends? Saisis cette espérance. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Ne te limite pas à ton avenir. Regarde à Christ. Regarde à Christ. Tu as besoin de pain, que cela te pousse à savoir que Jésus est le pain de vie. Tu as besoin de guérison, que cela te pousse à savoir que Jésus-Christ est la guérison. Quoi que tu aies, quoi que ce soit dont tu aies besoin, que cela te pousse à connaître Christ et à faire connaître Christ autour de toi. Que les gens aiment Jésus grâce à toi. Que les gens aiment Jésus grâce à ta foi. Que les gens s'attachent à Jésus grâce à ta foi. Que les gens s'attachent à Jésus grâce à les expériences de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, 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 que ceci devienne une révélation pour ton peuple. Que ceci devienne une révélation pour ton peuple. Je prie et je demande au Saint-Esprit, illumine les yeux de nos cœurs toi-même. Les mots sont insuffisants. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine, donne-nous la révélation que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs toi-même. Donne la révélation à ton peuple. Donne la révélation à ton peuple. Donne la révélation. Que cela devienne une 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 réalité. Que cela devienne une réalité. Que cela devienne une réalité. Que cela devienne une révélation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia.
Le voile est déchiré ce matin. Le voile qui subsistait encore est déchiré. Tout voile qui t'empêchait de connaître mieux Christ est déchiré maintenant. Tout obstacle qui t'empêchait d'aller encore plus loin dans la présence de Dieu, dans la communion avec le Seigneur, ce voile est déchiré maintenant au nom de Jésus. Ce voile est déchiré maintenant au nom de Jésus. Je vois des gens propulsés dans des pièces nouvelles de la révélation. Je vois la lumière, une plus grande lumière. Remplis ton cœur maintenant au nom de Jésus. Je vois les ténèbres dissipées, les ombres dissipées maintenant au nom de Jésus. Sois rempli de la lumière. Sois rempli de la révélation de Christ. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre la Sainte Cène. Comme cela s'est produit avec les disciples qui allaient à Emmaüs. Quand le Seigneur a rompu le corps, quand il a rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Quand tu prends le corps et le sang du Seigneur, prends-le avec la foi que tes yeux s'ouvrent davantage pour mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Pour mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il est le projet de Dieu. Il est le projet de chaque vie. Christ est le projet de la vie. Christ est le projet de ma vie. Christ est mon avenir et mon espérance. Christ est mon avenir et mon espérance. Christ est notre avenir et notre espérance. Christ est le projet que Dieu a formé sur l'humanité. Il est notre avenir, il est notre espérance. Tout ce que nous faisons trouve son sens en Christ Jésus. Alléluia. 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 Je vois des bureaux qui vont être transformés en lieu de salut. Amen. Je vois des ouvriers à genoux pour recevoir Jésus. Amen. Je vois des bureaux transformés en lieu de guérison, Amen. En lieu de délivrance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois de grands espaces où tu travailles, et je vois les gens venir à toi et te demander de leur parler de Jésus. C'est le projet de Dieu pour toi. C'est le projet, c'est son plus grand projet. C'est son plus grand projet pour toi. Reçois-le ce matin au nom de Jésus. Reçois-le ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Savez-vous que Luc était un médecin? Savez-vous que Bézalel était comme un architecte? Savez-vous que David était un chantre? Savez-vous que Matthieu était un inspecteur d'impôts? Savez-vous que Paul était un faiseur de tentes? Savez-vous que Pierre travaillait dans l'industrie de pêche? Savez-vous qu'Isaac était un agriculteur et un éleveur? Le savez-vous? Ils sont enregistrés dans les Écritures comme des serviteurs et des hommes de Dieu. Tu es écrit dans le livre de vie comme un serviteur, une servante, un homme et une femme de Dieu. Ne te limite pas à cet avenir que Dieu a pour toi. Va au-delà. Touche à l'espérance de gloire qu'est Christ. Touche à l'espérance de gloire qu'est Christ. Alléluia. Alléluia. Je vois des salles de classe où les élèves sont à genoux pour recevoir Jésus. Quelle que soit ta profession,
N'oublie pas, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Père, je te rends grâce pour la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance, car c'est là où ce plus grand projet a été réalisé. Je te rends grâce pour le corps de Jésus qui a été déchiré pour nous, afin que le voile soit ôté. Maintenant que nous allons le prendre, que la nouvelle alliance devienne une réalité pour nous. Amen. Que ces plus grandes et plus précieuses promesses nous donnent la plus grande espérance. Amen. Que les hommes n'ont jamais eue sur la terre. Que ce corps nous donne accès à un niveau de communion que les hommes n'ont jamais eue sur la terre. Amen. Tout cela pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Ensemble, nous prenons le corps du Seigneur. Et ensemble, nous prenons le sang du Seigneur. Gloire à Dieu.